Bah, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup moins lucide. En défense, on a eu beaucoup d'oubli. Et après, en attaque, on a simplement déjoué. Ils ont été très agressifs, on a reculé. Et c'est ce qui a fait la différence, quoi. Au troisième quart-temps, enfin, un très mauvais troisième quart-temps. Ils nous reviennent, ils passent devant. Et après, on est dans l'urgence, quoi. On joue dans la précipitation, on n'applique pas les consignes. Et puis voilà, quoi. Après, vous avez vu ce que ça a donné. C'est dommage parce qu'il y a, il y a, on a fait de bonnes choses en première mi-temps. Même si moi, ça fait qu'une semaine que je suis là, il y a des blessés qui sont revenus cette semaine, comme David. Voilà, il y a Sadio qui vient d'arriver aussi. On a un nouveau groupe, quoi, donc on a fait pas mal de belles choses, je pense. Maintenant, je pense qu'on aurait quand même pu gagner ce match-là. C'est juste qu'on a manqué de lucidité à la fin, quoi. On a joué avec, on va dire, la crainte, entre guillemets. Et ce qui, voilà, c'est ce qui a fait que, bon, après, ben, on n'a pas su réagir, on n'a pas su trouver la solution. Mais bon, comme je dis, c'est comme j'ai dit tout à l'heure dans les vestiaires, il faut garder les choses positives. On est quand même à, il y a des nouveaux joueurs qui sont là. Même si on est dans une situation difficile, on a fait des bonnes choses. Et je pense que si on travaille sur vraiment ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a fait de bien dans le match, et qu'on s'applique dessus, je pense que voilà, on sera capable d'enchaîner les matchs. Simplement, ça passe par le travail à l'entraînement.